Et voilà, bienvenue. Allez, on continue ça. Bon, toujours le jeu, toujours aussi magnifique, toujours aussi fluide, rapide. Avec ce petit côté Secret of Mana. Pour ceux qui connaissent, pour les plus anciens d'entre vous. Il est nostalgique. Mon jeu fait un peu tourner la tête. Peut-être que je l'ai mis en trop grand écran. Si je dis pas de bêtises, lui il est. Faible à l'eau. Pandémie. Non, on va te faire on va te faire du sale direct. Hein. On va pas trop attendre. Ça, en plus, ouais, il fait mal le porcino. Hein, je me rappelle. Il fait très très mal. Donc c'était irruption d'eau contre le porcino, je me rappelle. C'était efficace, non? Je me suis trompé. Bon, n'hésitez pas à mettre des commentaires. En fait, je suis en live, donc s'il y a des BG et des BGettes, on va essayer le feu. La faiblesse. Non, je kiffe le feeling. Honnêtement, le feeling du jeu est excellent. Vraiment, si vous aimez les JRPG, et encore plus si vous aimez les JRPG à l'ancienne, type Chrono Trigger, Secret of Mana. Final Fantasy VI, Final Fantasy V, Dragon Quest, de l'époque. Dragon Quest de l'époque Super NES, mais vous allez trouver votre bonheur. Et surtout si vous attendez Sea of Stars. Sea of Stars, qui a l'air aussi excellent. Et ce jeu vient de nulle part en fait, et vraiment, il est vraiment ouf. On va soigner Rob. Hein. Soignons le gentilhomme Rob. Bon là on va faire que attaquer. On va bientôt être en rouge. Bon après c'est. Coup critique nice. Bon les combats sont peut-être un petit peu longs. Va peut-être y avoir des séances de grinding à faire. Que je mettrai pas en let's play. Ah la grotte elle fait vert là. C'est là qu'on doit aller? Bon bah allons-y. Hein. Allons-y. Moi je sais pas c'est qui me regarde. Si je te connais la personne qui me regarde. N'hésite pas à envoyer un petit message, hein, je te répondrai. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de viewers. Encore un tremblement de terre. Nous n'en avons jamais eu autant qu'au cours de cette dernière lune. Heureusement, il n'était pas violent. Mais les gens disent qu'un tremblement de terre de grande magnitude est imminent. Ils parlent d'un séisme aussi puissant que celui qui a ravagé Nissa. Tu crois que ces ruines datent de cette époque, de l'ère de Nissa? Peut-être un grand nombre de châteaux et de tours guets. De guets ont été engloutis par le sol à cette époque. Autrefois, ces constructions abritaient des soldats loyaux. Aujourd'hui, ce ne sont plus que des refuges pour les rats. Et quand je parle de rats, je fais allusion à eux. Ok, des pirates, je m'y attendais. Mais vraiment stylé, putain, je kiffe cette ambiance. Je kiffe cette ambiance JRPG là où il y a des tanières de pirates, etc. Crois-moi, on devrait partir d'ici. Ces ruines n'apportent que des malheurs. Partout où tu regardes, il y a des gobelins immondes. Immonde créature. Eh bien, si on te chassait de ton territoire, tu ne serais pas plus charmant qu'eux. Leur territoire, c'est la meilleure. Ah, c'est les bandits qui parlent. Pour commencer, il n'y a pas un seul gobelin dans le coin. Dans le coin, il y a 2 ans. Je ne sais pas d'où ils sortent, mais rien ne leur appartient ici. Je ne vais pas me plier aux caprices de ces beaux messieurs dans leur château pour ensuite me faire dépouiller par ces créatures souterraines. Allez, ne gaspille pas ta salive. De toute façon, tu n'as pas le choix. Au diable ce monde! Plutôt philosophique pour des bandits. Sim n'est pas là, il a dû s'enfoncer plus loin dans la grotte. En tout cas, vous aviez raison. On dirait bien que ce sont des voleurs. Reste à savoir ce qu'ils complotent. J'aime bien là les petits poissons qui sont à côté. C'est ce qu'on doit découvrir. Même l'eau, elle bouge et tout. Non, non, c'est de la 2D vraiment très très propre. Gros chapeau bas à ces développeurs, honnêtement. Ils ont fait un travail monstrueux. Et ça a l'air d'être fait beaucoup de choses à la main, quoi. Donc, bon, je fais quoi? Je les tabasse, eux, ou ouais? Je dirais qu'on discute même pas, on discute même pas entre hommes. Entre hommes et femmes. Bon, c'est pas faiblesse, j'ai serré le feu, on va essayer pandémie. Ok. Bon.
Dommage que je puisse pas mettre les musiques un peu plus fort, je pense que vous m'entendrez pas. Mais sinon, les musiques aussi sont vraiment excellentes. Tir empoisonné. Ne peut pas être résisté, ça c'est bien. Donc j'ai fait le feu, le vent. Ah mais là il est mort de toute façon. Doucement le pirate, sincèrement doucement. Mais vraiment doucement quoi. Let's go. Même les bruits d'impact sont bien faits quoi. C'est rapide, nickel. Alors on va t'attaquer, on va pas utiliser de. Ce qui est bien, c'est que la vie remonte à chaque combat qu'on n'a pas soigné. Il nous faut la clé. Ok, on va revenir plus tard. Attends, je crois, j'ai l'impression que j'ai raté quelque chose. On peut pas sauter. Non, je pense qu'on va pouvoir revenir ici, mais. Excusez-moi. Ah ouais, c'est venu de nulle part. Mais en fait, c'est des combats aléatoires en fait. Bon, on va taper le chaman parce que c'est toujours le plus faible. Toujours tabasser le magicien en premier. L'autre, ça a l'air d'être un tank. Oh, les pirates avaient parlé de gobelins. Voilà, si je dis pas de bêtises, il m'a fait mal là le gobelin là. Putain, il m'a empoisonné en plus. Ah ouais, c'est chaud. C'est vraiment chaud par contre. En plus, il n'y a pas de mode de difficulté dans le jeu. Si je dis pas de bêtises. Je crois pas qu'il y avait un mode de difficulté. Coup ultra. Attends, on peut faire un coup ultra? Ouais, vas-y, viens, on essaye. Tous les statuts néfastes augmentent les résistances de tous les supprime les résistances. Bah, c'est de la merde. Je pensais que c'était une attaque de ouf. Non, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Non, il fait mal, il fait mal, il fait mal. Il fait vraiment mal. Mais attends, bah, je vais m'occuper de ton cas. J'ai rien pour soigner le poison. Ah, il fait vachement mal le chip. Voilà, c'est bon. Tire de puissance, on va essayer de te fumer le plus vite possible. Hein. Voler, force, faiblesse, en boîte, c'est quoi ça? Aucune idée, mais je vais pas te mentir que la prochaine, t'es mort. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. C'est bon, il est mort. Hasta la vista, baby. On examine la grotte. Ouais, mais y a rien à examiner là. Ah, j'imagine qu'il va y avoir un random combat. Un combat random. Aléatoire. Ce qu'on voit ici. Ok, c'est le chemin où je voulais aller. Eldange. Donc j'ai l'impression que c'est comme les queues de phénix dans le final. C'est pour faire ressusciter. Et comment on y va là? Wesh, comment on y va? Comment on y va? Oh, c'est la même équipe. C'est la même équipe. Wow, ça fait peur ça. Je vais pas vous mentir, ça fait peur. Ils sont durs à. Ils sont difficiles à tuer ces gobelins de merde.
Ok, il est mort. Plus rapide que la dernière fois. 71. Aïe. On tire empoisonné. Wow. Je peux pas. Je suis obligé de la soigner d'abord. Bon, il devrait mourir après le prochain coup de Lynn. Ouais, vas-y, c'est bon, non? Ouais, ok, nice. Ça, c'est la clé, j'imagine. Une clé, je me demande bien ce qu'elle peut ouvrir dans le coin. Moi, je sais très bien ce qu'elle peut ouvrir. Je sais exactement ce qu'elle peut ouvrir. Parce que j'ai joué à beaucoup d'RPG, tu sais. À beaucoup de jeux vidéo. Mais là, il y a... Là, en fait, on peut passer par là, mais j'imagine que c'est par là. Oh, attendez. Je dois avoir des points de compétence. J'ai 0 étoile. Compétence passive. Je peux rien dépenser en fait. Ok, je comprends pas encore très bien ce système, mais il faudra que je regarde un petit tutoriel peut-être. Enfile ça, ce sont les uniformes des gardes du palais. Ah. Même si je ne me suis pas lavé depuis 3 semaines, c'est l'idée de porter cet uniforme qui me fait sentir vraiment sale. Arrête de faire de l'humour, on a beau avoir le même objectif, on n'est pas amis pour autant. Toujours est-il que Dame Parnella s'approche lentement mais sûrement de la ville. Il faut que tu la tues en portant cet uniforme et assure-toi que les gens te voient. J'observerai la scène du haut des remparts de la ville. Mais il ne faudra pas m'en vouloir si je n'applaudis pas. Je tiens à ma réputation, tu comprends? Tout ça restera entre nous comme promis. Un coup monté. Voyons, cet homme me dit quelque chose. C'est notre chance. Par ordre des gardes citadins, arrêtez, vous êtes en état d'arrestation. Ça alors? Si loin des murs de la ville et pourtant que d'insolence, mais ici c'est la loi du plus fort qui prévaut. Attrapez-les! Coup ultra. Ok. Pendant le combat, la barre de Kultra se remplit lentement une fois pleine. Un de tes personnages peut effectuer un Kultra en appuyant sur RT. D'accord. Ouais, bon, c'est du classique. On va essayer le vent. On va taper lui d'abord. Le poison. Toujours le poison. Attends, ma barre est pleine là. Interruption? Encore un tremblement de terre? Ah ouais, d'accord. C'est un deuxième boss. C'est sympa, j'aime bien. Donc j'imagine que lui, il va être faiblesse à l'eau. On connaît déjà sa faiblesse? Ok. Tir empoisonné. En fait, j'aurais dû faire le coup ultra parce que ma barre est déjà pleine. Mais non, mais ça c'est relou ça. Vas-y, let's go. Ah ouais. Ouais, c'est ouf. Non mais. Vas-y, on va faire ça. En fait, lui, faut que je... Enfin. Blablabla, j'arrive plus à parler. Je pense qu'il faut lui mettre un maximum de poison en fait. Vraiment. Parce que comme il se régénère, c'est hyper relou. Bon, ça va, il fait pas des dégâts de fou, mais on va t'empoisonner, hein. Prolonger. Voilà, c'est insane ça. Bon,
Faut que je te soigne. J'ai plus de points de compétence. Non, mais il se régénère plus que. Ah, c'est super relou ça. Bon. Ah merde! Non, mais je pense qu'on est bien là. Je vais prolonger le poison. Mais il a pas de barre de vie en fait. Là, on va te hagard, hein. On va te hagard jusqu'à la mort. Ah non, t'es relou, t'es relou. Ouais, surchauffe, bah oui. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Parce qu'en surchauffe, on se mange plus de dégâts. Objet friandise. En pandémie, ça va me faire descendre ma barre de surchauffe. Manquer, mais wesh. Compétence irruption d'eau. Ça va me faire descendre ma barre de surchauffe encore plus. Ok, tranquille. Un tir de puissance. Là, je suis obligé de me soigner. Non. Mais meurs. Ah ouais, enfin. Ok, à la Final Fantasy, hein. À la Final Fantasy, c'est stylé. Ok, un point de compétence. Rob, si tu ne veux pas finir comme ton copain, tu ferais mieux de dire tout de suite ce que tu mijotes. Longue vie à Farnsport. Ah ouais, la bonne claque. Arrête, Rob, ça ne sert à rien. Si, ça sert. C'est leur vie qui ne sert à rien. Dépêche-toi d'en finir. Je ne reçois pas d'ordre de gens comme toi. Ah ouais, il est chaud. Ah, vu comme tu traites les prisonniers, on pourrait croire que tu es noble. Alors dis-moi, quel est votre plan? On va mettre un terme à ce festival. Cette peine n'est qu'une illusion. Tout le monde est prêt pour la nouvelle guerre. Une nouvelle guerre? Ces 150 dernières années ont donné naissance à une lignée royale de seigneurs de guerre. Ils ne savent pas vivre en paix. Ce ne sont que des faux-semblants. Tout ce qu'ils veulent, c'est une autre guerre. Et on est en train de leur donner. Vous planifiez un assassinat? Vous ne pouvez pas faire de la paix, votre ennemi. Nous aspirons à la paix comme tout le monde. Mais la situation actuelle n'est rien d'autre qu'une parenthèse aux dépens d'Escania. Tarine profite du traité de paix pour se redresser après l'explosion de l'année dernière. Notre chancelier n'est qu'un imbécile qui se voile la face. Cette décision, on va la prendre pour lui. La nouvelle guerre finira par apporter une paix durable pour tout le monde. Les hommes naissent tous égaux. N'essaie pas de te justifier, vous n'êtes qu'une vermine à compter du moment où vous prenez votre premier souffle. Comment oses-tu parler d'égalité? Ah ouais, mais en fait, Rob, ça a l'air d'être un chien en fait. Maintenant, crache le morceau ou je t'égorge. C'était qui ce type plutôt? Combien d'entre vous sont dans les parages? Longue vie à Farnsport, longue vie au Valandis. Rob. Ah ouais, le Rob, ça a l'air d'être un vrai enfoiré.
Une lignée de seigneurs de guerre, est-ce que ça s'applique aussi à mon frère? Je sens que ça va être intéressant. Bon, après, si, il y a quand même pas mal de modèles différents. Après, bon, il y a beaucoup de ressucés, mais ça va, c'est pas mal quand même, hein. On dirait qu'il ne s'est rien passé de spécial jusqu'à présent. Je suppose qu'on a déjoué le plan. Et s'ils étaient plus nombreux que prévu? Et s'il y avait un plan B? J'ai un mauvais pressentiment. Allons faire notre rapport au commandant. Il saura quoi faire. Il se demande probablement où nous sommes de toute façon. C'est qui ça? Apparemment, ils se connaissent pas. Quelque chose ne va pas. Vous êtes sûr, monseigneur, ce défilé n'est-il pas un spectacle digne de votre temps? Un chariot a été préparé spécialement en votre honneur. Mon cher Hélène, parfois je préfère me faufiler dans les coulisses derrière l'orchestre. Mais quel tapage là-bas! Je préfère le bruit de la foule au chuchotement de la cour dès que l'occasion se présente. Pardonnez-moi, que connaît un simple serviteur comme moi des problèmes d'un homme aussi illustre que vous? Il est en train de le troller ou quoi? Désolé, j'ai pas lu ça, mais bref. Chut, arrête un peu. Les gens ont tendance à l'oublier, mais je ne suis pas un noble. Alors pas de friochi, de frieries, des fioritures. Montrez-moi l'envers du décor et emmenez-moi là où on s'amuse. Très bien, serviteur. Bon, il y a beaucoup de dialogues, c'est un peu chiant. Nous y sommes. Puis-je vous proposer de participer à notre vérité? Honnêtement, c'est vraiment relou là. Ça me saoule de faire le. En fait, on joue combien de personnages, quoi? Comment allez-vous, serviteur? Vous avez actuellement 50 jetons. Bon, allons nous amuser. Vas-y, on va jouer à pierre feuille ciseaux. Vas-y. Allez. Allons-y. Moi, je suis plutôt ciseaux en général. T'as triché? Ah ouais, il triche. C'est de la triche. Attends, il l'utilise jamais. Jamais feuille. Ciseaux. Égalité. Hein? Ok, je sais. Donc, feuille. Après, pierre. Et pierre. Là, il va utiliser feuilles. Ciseaux. Nice. Compétences. Attends, c'est quoi le but du jeu? Vas-y. Ouais, mais c'est quoi le... Parce que les boutons, c'est pas pareil. Moi, j'ai une manette PS4, PS5. Je crois que je me suis fait couiller parce que j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Je suis en train d'appuyer comme un forçat là.
Je pense que je vais perdre. Attendez, j'ai payé 80 jetons pour gagner 16 jetons, je me suis fait couiller là. Ouais, j'en ai marre en fait. J'aime bien l'épée. Pourquoi pas? Voilà, les références à Final. Mais j'ai l'impression que je rate quelque chose en fait si je les prends pas. Ah, je me suis fait couiller. Je suis sûr que ce personnage, on va le revoir plus tard. Ça va être un genre de voleur. C'était encore plus facile que de faire les poches à un ivrogne. Voilà, je savais que ferait partie de l'histoire de nos personnages. Mi-voleuse, mi-arnaqueuse, elle a brisé le cœur d'un nombre incalculable d'hommes et de femmes. Avec ses cheveux et ses vêtements rouges, tout le monde la surnomme la succube rouge, un titre qui ne lui facilite pas particulièrement la tâche. Elle pourrait se teindre les cheveux et changer de vêtements, mais au fond d'elle, son côté narcissique est plutôt fier de cette notoriété. Ok, on va la contrôler maintenant. Mais des barres. Non, on joue une voleuse. C'est stylé. Attends, mais lui là, c'est qui fait quoi lui? On peut pas lui voler son truc à lui là? J'imagine qu'on peut lui voler. Faut voler les deux. Mais c'est ouf. Mais tu viens de lui voler ses affaires. Oui, je lui ai volé ses affaires. Et alors? Tu vas faire quoi? Lui, il va où lui? Ok, cool. C'est une fille malade. Papa, papa. Ah, mais elle est sans cœur en fait. Ah ouais, elle est vraiment sans cœur. Bah oui, rends-lui ses sous. Mais je pense qu'il va se passer quelque chose là. Ouais, mais faut que je fasse quoi? Ici? Mouais. Genre, il t'a pas vu. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai les marchandises, il est temps de filer. En fait, à chaque fois, elle se fait griller, quoi.
C'est assez bizarre comme situation. C'est bon, j'ai tout ce qu'il faut, on s'en va ou quoi? Let's go! Passe à la zone suivante, let's go. Où ça? Ouais, il m'a mis un one shot. Ok, ils sont pas très contents d'elle. Et le port de Vermeyer, la taverne du Lac Rouge, le marché de Gorgia. Combien de fois nous as-tu mené en bateau, Sienna? Je n'ai dû personne, je suis profondément incomprise. Tu as traîné notre nom dans la boue. Dans la boue, dans la boue. On a trop souvent payé les pots cassés, Sienna. Il est temps de reprendre la monnaie. Bon, désolé, là, j'ai plus de force pour lire. Je suis chaos technique. La tuer, non, tuez-moi pas. Tuons-la, au moins, on retrouvera notre honneur, mes frères. L'aube bleue, si tu veux qu'elle vole le joyau pour nous, ne dis pas de bêtises. Ça nous épargnera beaucoup de problèmes si c'est elle qui s'en occupe. Vas-y, vas-y, je vais le faire. Je vais le faire, vous inquiétez pas. Je suis peut-être une arnaqueuse, mais je ne suis pas une cambrioleuse, mais ça veut rien dire. Très bien, puisque tu me l'as demandé si gentiment, la succube rouge se transformera en cambrioleuse juste pour cette fois. Mais les égouts puants, il n'y a pas d'autre moyen. Eh bien, incarne-toi en rage, je m'en fiche, finis les bêtises, tu fais ce qu'on te dit. Ok. Bienvenue au troisième viewer. Plus vite, la livraison est prévue pour ce soir. En plus, je suis frigorifié. Je ne peux pas aller plus loin, je suis à bout de force. Arrête de te plaindre. Oh non, pas encore. Cette fois-ci, c'était différent. Ce n'était pas un tremblement de terre ordinaire. On est expert en séisme maintenant, c'est ça? Si tu veux vraiment te spécialiser dans le domaine, je peux te couler une gifle. Ça devrait te secouer les méninges sur le chemin du retour. Maintenant, dépêche-toi. Ouais, j'arrive. Se passe quoi? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est la première fois que je vois autant de lumière à Farnsport. Il y a tellement de monde qui s'amuse au festival. C'est surprenant après une si longue guerre. Je ne m'attendais pas à ça. Ça commence à me taper sur les nerfs. Bizarre, tu as toujours froid? Maintenant que tu en parles, non, pas vraiment. Bon sang de bonsoir. Oh, juste ciel, et que le diable m'emporte si c'est un simple tremblement de terre. Ah, qu'est-ce que c'est? Un démon. Il va les tuer ou quoi? Même pas? Il se dirige vers Farnsport. Wow, ça sent la douille, hein. On dirait Disneyland. Vous entendez la musique? Le banquet a commencé. Je devrais être en train de danser sur le sol en marbre là-haut plutôt que de traîner ici, trempé jusqu'aux genoux. Tu veux qu'on te farcisse la bouche? Non? Alors boucle-la. C'est bizarre comme expression ça. Tiens, prends cette carte. Il y a qu'une seule entrée et c'est la clé pour y accéder. On va la garder avec nous, alors dépêche-toi de revenir si, ici une fois que tu auras le joyau, c'est la seule sortie. Alors tiens-toi, Caro. Ok, j'ai compris. Arrêtez de blablater. Il y a quand même beaucoup de blabla dans le jeu, c'est un peu relou. Je vais pas vous mentir. Mais espérons qu'il y en ait moins par la suite. Voilà, voler la clé. Bon, je pense que je vais sauvegarder et je vais arrêter pour cet épisode. Merci de m'avoir suivi. C'était très sympa. Si vous avez des commentaires constructifs, n'hésitez pas dans les vidéos. Je pense que la voix, c'est toujours pas ça. Je pense que je manque de dynamisme et je suis un peu fatigué le soir quand je joue. Mais en tout cas, merci de m'avoir suivi et à la prochaine pour le prochain épisode.